Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retro War. Toujours avec notre ami Dark Mist. Hey, bienvenue à tous, comment allez-vous? Et aujourd'hui, on se retrouve sur... Oh, quel travail d'équipe! Super Puzzle Fighter 2 Turbo! Super Puzzle Fighters 2 Turbo, monsieur. Ben c'est ce que vous avez oublié le super caché derrière. Non, je l'ai dit, j'ai dit Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Pardon, je l'avais pas entendu. Ok. Autant pour toi. Voilà, donc Puzzle Fighter, on reprend les persos Capcom de Street. Ouais, donc nous. Donc on a le choix entre Ryu, Chun-Li, Sakura. Ken, Morrigan, je sais plus, Donovan et Felicia. Voilà, moi je prends mon perso de Vampire Donovan. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc c'est un jeu un peu à la Puyo Puyo. Pour ceux qui connaissent pas, on est un peu sur le même genre de thème. Le but, ça va être de renvoyer de gêner l'autre joueur en faisant des stacks et en renvoyant. Par contre, alors. Le petit défaut, c'est que des fois au stick, c'est super chaud d'être précis et on fait un mauvais geste. C'est ce qui peut être dangereux, je trouve, des fois. Enfin, par contre, c'est moi ou ils sont genre radin de chez radin. Genre crève pour qu'on te lâche un truc. Je me suis raté. Ah oui, d'accord, ça y est, tu commences à m'envoyer des trucs, toi. Ah bah, ça y est, là, ça chaîne. Là, j'envoie la lourde. Ah oui, monsieur, envoie la sauce, là. Ah bah oui. Ah oui, non, mais ça, là, c'est pas très gentil, parce que là, en train de perdre. Bah, ça fait grossir vos ronds, non? Non, je suis en train de perdre. Donc, excusez-moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas le principe du jeu à l'origine? Ah bah j'ai perdu. Ok. Ah, j'ai pris la super direct. Bah, en fait, ça dépend comment ça charge. Ouais. Il faut essayer de chaîne. Mais j'avais pas les trucs qui sortaient, moi. J'avais bien stacké. Bah GG pour cette première victoire. Alors qu'on a un petit saut de je ne sais quoi. Here come a new challenge. Oh putain, le... Ah bah oui, ça rattaque. Alors, ce qu'on n'a pas dit, voilà aussi, c'est que chacun n'a pas le placement des gemmes qu'il renvoie. On voit au niveau oui, du personnage en dessous, voilà. Les barres, c'est ça ce qu'on voit. Voilà, genre lui, il va renvoyer tout horizontal. Ryu, je crois que c'est tout vertical, il me semble. C'est tout des carrés, quoi. Ah oui, non, lui, c'est par bloc de couleur, ouais. Tu joues Ryu. Ah, ça donne tellement envie de jouer à les musiques. Les musiques. Musique des vrais. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Puzzle Fighter. Ou même à notre jeu de cet esprit. Je trouve ça dingue. Mais j'aime bien. C'est des jeux moi, qui me calment perso. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Par contre, si ça continue, je vais prendre très cher. Ça va sentir le viol parce que là, ça commence à foutre le bordel. Non. Ouais, non, j'ai joué de la merde. À noter. Monsieur joue de la merde. Il joue pas de la flûte. Ah,
je note que moi ça envoie pas tout le monde. J'aimerais qu'on m'explique quand même. À un moment donné, j'aimerais qu'on m'explique où elle est l'arnaque. Hadouken! Ah mais non, je me suis raté. Ah mais non, en plus je les ai inversés. Le con. On sent la concentration, l'auteur Steve ne parle plus. Mais je sais pas. Mais je sais pas quoi faire en fait. C'est ce qui fait des chier. Puis il me donne pas les trucs que je veux, donc je sais pas où mettre. T'inquiète pas, je suis pareil. Oui, bah tu dis ça, ça t'empêche pas de m'envoyer des trucs. Ah bah j'ai pas dit que je me laissais faire non plus. ouais mais c'est des petits trucs de raclure, tu sais. Non mais je le dis, c'est vrai, c'est de la petite truc de raclure, quoi. Je pense que je vais prendre cher, moi, dans pas longtemps, voilà, tu vois, genre là. Oh non, c'est juste... Ah, j'en ai pris 18, c'est quoi. Pour m'éclaircir la gorge. Pour me racler la gorge. Je vais vous en éclaircir une, moi. Juste, je vais vous expliquer simplement en trois leçons comment voilà, il me faut un peu de vert là, parce que sinon ça... Un peu de verdure. Parce que toi, tu m'envoies que du rouge, alors t'es bien gentil, mais... Ah bah, j'ai envie de dire, c'est pas moi choisi. Voilà. Oh, le méchant. Oh non, celui-là, j'aime pas, je l'ai... J'ai perdu. Ah, j'ai entendu le ta-ta-ta-ta-ta-ta, j'ai dit ouais, c'est bon. Ah bah là, c'était un balèze qui traîne depuis, je crois, le tout début de la partie du rouge. Bah moi aussi, mais toi en bas à droite. Voilà, bon, ça va, c'est serré, on se défend. C'est bien, moi je trouve que ça, c'est bien. En plus, ça permet de varier un peu les persos, c'est bien. Ah, c'est Sakura, peut-être qu'il y a le truc. Non, quoi, il y en a qui ont envié. Ah, Morgan je me suis trompé de bouton. Je l'ai calme blanc, toi. J'ai les blancs. Le jeu. Donc ça, c'est de la musique, ça. J'aime bien, les musiques sont sympathiques. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur... Ouais. Beaters. Ah ouais, ouais. Après, est-ce que je c'est... Suis assez fat. Je crois que c'est les... C'était pas les musiques originales de... Des jeux. Je les trouve plutôt remixées. Ouais, voilà, ouais, en mode remixé, comme tout à l'heure, on a eu... Après, pour les Dark Savior, je ne saurais pas dire. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de... Mais non, viens là. Cannon Wave. Allez, Cannon Wave est ailleurs. Oh. Il m'envoie sa merde, ça vous dérange pas, ça? Il m'envoie sa merde pourrie. Il m'envoie ses blocs de la mort qui puent. Ah bah ça ouais, commence les combos, le mec. Ah bah attends, vu ce que tu m'as mis... Ça commence à faire chier le monde. Vu ce que tu m'as mis tout à l'heure... Oh là là, ça commence à chaîner, faire chier les gens. Bah de vengeance, les citoyens modèles. Je tiens à le dire, moi je trouve ça scandaleux. Moi aussi. Je préfère vous le dire, monsieur. Mais moi aussi je trouve ça scandaleux. Voilà, je tenais à le dire. Je voulais que le monde connaisse votre vrai visage. Bah tiens, le visage de l'arnaque. Le l'homme en vrai visage. Voilà, on va pas se laisser faire. Non monsieur. Ah oui, non mais là. On va riposter. Là d'accord, là ouais, là je comprends. Ouais, mais j'ai remarqué que ce jeu, c'est un jeu quand tu défends. En fait, t'as plus de chances de survivre des fois en sacrifiant dans ce sens-là, parce que en fait, sinon, tu n'as pas assez de gemmes quand t'arrives tout en bas. En fait, c'est toi qui vas te mettre en danger. Oui, là, il faut. C'est paradoxal. Il faut te mettre des blocs de côté ouais. Parce que. Ouais, faut avoir une certaine prise de risque. C'est toujours ce que j'ai remarqué. Je dois le noter. Alors là, je vais prendre cher. Là, ça va devenir dangereux pour mon pion. Là, j'ai envie de dire, j'en ai plein le boule. Quelqu'un. Oh non.
C'est chaud, hein, parce qu'en plus il faut de la concentration. Ouais, mais là je vais mourir. Ouais. T'entends la musique comment elle accélère? Ah, c'est toi? Ah bah oui. Tu m'as fait faire des conneries. Le salaud, il triche. Non, non, ça s'accélère parce que je vais mourir. La survie d'un homme. Ah mais non, j'essaye de m'en sortir. Ah bah non, c'est pas gentil ça. T'aurais... Non. Voilà, le petit diamant qui sauve. Mais j'ai eu le diamant non, voilà. En fait. Mais j'ai pris une couleur primitive. Je l'ai mis trop tard. J'ai pris une couleur qui me sied guère quoi. Bah moi j'ai cherché la couleur qui serait la plus efficace. Bah moi aussi j'aurais dû prendre le vert et puis mais j'avais c'était tellement haut que. Et je me suis dit à ce moment-là il me balance 2-3 blocs, je me suis dit va te niquer. Puis en fait... Non, je m'en suis sorti. Genzagula. Allez, ah, je te bats puis après je vais au combini juste derrière. Mais quoi? Je dis je te bats et je vais au combini juste derrière. Why not? Ça me va si tu me bats. Comment c'est pas parler anglais, je comprends pas tout. Je pourrais changer de perso. Donc forcément j'ai envie de dire pourquoi pas. Je reconnais même pas cette musique. Musique de Sakura avec les cerises derrière. Le monsieur il fait genre il connaît mon truc, c'est que vous m'étonnez. On sait que vous mentez, monsieur. Quoi, c'était pas dans Dragon Ball? Ça fait des... Oui. Je fais n'importe quoi. C'est mirifique. Bah, continuez. Moi, j'ai envie de vous dire continuez. Voilà, c'est une bonne strat. Non mais parce que je vous mentirais si je vous aidais pas dans ce sens là. Ah bah oui. Je trouve que ce serait un peu dégueulasse. Oh non mais... Je vous le paye toi-même. Oh mais non, ouais, quoi que s'il est bleu. Je vais prendre cher. J'ai perdu, GG. Ah donc ah ouais t'avais un truc un peu bizarre sur le... Je regardais pas ton écran mais c'est vrai que t'avais un truc un peu bizarre. Oh mais vous avez le droit de regarder monsieur, ça fait partie. Ah bah oui mais non je suis concentré dans ma partie moi. Oh oui, moi je regarde pas ton écran deux fois. Bah vite fait hein, je regarde pas forcément ce que t'es en train de faire. Ah, allez. On va prendre petit boobs. Petit boobs. Non, j'aime bien la petite chinoise qui cache le truc dans ses manches. Exienko. Sorte de zombie. Ouais. Ah, c'est pas vraiment un zombie. Ah, les chinois, les marionnettes. Fantômes. Je crois que c'est comme ça qu'ils représentent les. Sorte de zombie ou. Mais non, c'est les marionnettes qui sont possédées. Y'a pas Lina. Ouais, voilà, comme ça on a des bonnes musiques. Franchement, avec des petits pandas, moi je dis j'achète. Où ça des pandas? Ah ouais. On dirait des pandas de remontée mécanique. Ça veut rien dire. D'accord, si vous voulez, hein, moi je... Il paraît qu'il faut pas contredire les fous. Bah non mais c'est juste que je vais pas souvent au ski donc surtout au Japon donc je peux pas dire. Vous racontez n'importe quoi, j'en sais rien. Bah je sais pas, pour moi les remontées mécaniques à part au ski.
Ça dit de la merde. Voilà, dis-le. Yata! Je pense que je viens de me tuer. Non, si. Ouais, si, j'ai fait clairement de la merde. Attention! Mité, mité. Si, d'accord. On enfonce le clou. Ah, en fait, non. Le mec a voulu faire des super et tout, genre attention. Oui, puis j'ai vu que Sakura disait rien, j'ai dit bon bah... Bon bah, fais si tu veux, si tu veux, ma grande. Yosha, yosha. Mate. Oh, ça c'était violent ça. Ça fait mal dans la bouche. Ah, le con, je me suis raté. Je m'étais raté. Mité, mité. Mité, Loshi. Atoma, non, non, ça dé. Ça me refout un jeune, là j'en ai pas besoin. Dis-nous que c'est pour faire chier le monde. Kawaii! Mité, mité! Oui, pour. Je répète tout ce qu'il a dit. Ouais, j'entends ça. C'est une stratégie comme une autre, hein? Tout à fait. Autant que c'est pas des pandas qui font des remontées, c'est ce qui. Je veux dire, Wader, ça, voilà. Cherchez pas compliqué. Arrêtez de chercher la merde. Mais j'ai du verre, mais non, mon verre il était là-bas. J'ai perdu. Putain, j'ai survécu, je ne sais comment. Je t'ai mis un Hadoken dans ta bouche. Je sais pas ce qui s'est passé. Re un Hadoken dans ta bouche. Ça y est, le jeu ne suit plus. Ouais, je suis trop fort pour lui. J'ai perdu. Putain, c'était, je sais pas si t'as vu, j'étais jusqu'en haut en train de lutter. Je pensais que j'allais perdre. J'étais parti pour perdre dans ma tête. Voilà donc des petites parties assez rapides hein, quand même. Mine de rien, c'est ça qui est bien, c'est que ça s'éternise pas en général. Fais ça. J'aime bien, moi ça fait un peu style jeu de combat, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes tempos. Go! Allons fight! Ah merde, je voulais faire des techniques, je voulais faire des quarts de cerf. On me dit dans mon oreiller que j'ai pas le droit. Dans mon oreiller. Allez, tu l'attendais pas. Ah non, mais on contredit pas les fous, hein, c'est toi qui me l'as dit. Hein. Ouais, règle de Bushtart, on contredit pas les fous. Ouais, enfin, c'est plus une règle que... Que t'appliques quand t'es un arcane, mais bon. Oh, qu'est-ce que vous avez contre Arcane? T'as bien Arcane? J'aime beaucoup Arcane. Quand je remets des gens qui n'ont pas le droit de sortir dehors. On est très bien reçu, hein, Arcane. Ouais, ça dépend, ça dépend c'est qui l'autre, mais oui. Ah. Et ça dépend ce que t'as fait aussi. Moi j'ai rien fait. Waouh, tout ce que j'ai mangé. Eh oui. Il y a eu magouille. Quand on a faim, on mange. Moi j'ai envie de dire. Recomptage. Recomptage ? Voilà, recompter les votes. Il y a eu magouille. On essaye de me la mettre profond. On essaye de me profonder. Ah bah oui. Si ça marche. Ah là j'ai cassé le jeu, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Bam. Je vais... Mais arrêtez vos bam. Bam. Bam.
Arrêtez de bâmer, monsieur. J'ai plus l'impression que vous faites du mal. En 41, ça va faire mal, pas. Enfin, moi, je dis ça... Oh, la vague! Oh, le tsunami qui m'est arrivé sur la tête! Oh non, il y a encore 12 derrière! Bon, bah, ça c'est fait. Y a pas un diamant, un truc? Si t'as le temps de regarder mon écran. On va s'arrêter, hein. Merci. Ouais, Oh non! C'est pour là. Oui, comme ça. Voilà, faut redescendre. On descend. Allez, ouais. S'il vous plaît. Allez, allons nous voir un retour en zone. Ah non, il a pas réussi. Il aurait pu, mais il n'a pas réussi. Ah non, mais je voyais pas déjà, c'était trop haut. C'était pas mal. Dès que j'avais un truc, je ne savais pas si c'était un carré ou un rond. Ah, c'est compliqué, ça, j'avoue. Bon, une petite dernière pour la route. Ouais, allez. Je sera un petit éternisé. Mais le jeu est très sympa. Et voilà, on va pas faire une vidéo de plus d'une demi-heure, ça sert à rien. Le but, c'est de montrer le concept. On est sur du puzzle, on l'a dit, on est sur un peu du Puyo mélangé à un peu à Tetris. Voilà, il faut faire un système de blocs à la Puyo qu'on valide. Bien, là, tu reconnais avec la musique. Avec des petites boules rouges. Ah bah là, oui. Là, j'ai envie de dire oui, monsieur. C'est celle-là qu'on a eue tout à l'heure. Bah, Street Fighter, disons que j'ai entendu plus récemment. C'est pour ça. Toda. Mais calmez-vous bien, monsieur. Quoi? Moi je vais dans une boîte spéciale, il passe que des musiques que les musiques de Street. Bon, tu danses pas, mais bon. Ah, c'est parti. Techno. Qu'est-ce qui se passe? Moteur, ça y est. Ouais, on est bon là. Ce qui est marrant, c'est qu'on est tous les deux un peu dans la merde. Non. Bah si, regarde, on est pareil. Si la musique elle s'accélère, c'est que ça commence à être un peu chaud time. Bon, t'as un petit avantage cher. Mais non. Ah, j'ai perdu, j'ai pas eu le temps de tourner. Ah donc. C'est GG, voilà. Il restera sur sa victoire. Winner. Ça va, c'était très sérieux. Hein. Don't tell me you only... J'ai pas compris. Voilà, je te laisse jouer contre l'ordinateur pendant qu'on se dit au revoir. Ouais. Non, mais parce que je sais que monsieur va peut-être se faire toller comme ça. Donovan. Quoi? Non, je sais pas quoi que j'ai mis en normal, donc ça doit aller normalement. Ouais, il va au ralenti. Ça va, c'est bon. Voilà, donc et ben on va se quitter là-dessus, hein, sur cette dernière partie de Putters contre Donovan Lordi. Voilà, que dire de plus, un jeu Capcom qui reprend les persos un peu de Pocket Fighter, la version baston. On reconnaît ce trait chibi, avec 8 persos. Alors je sais plus s'il n'y a pas des persos débloquables, j'ai un doute. Il me semble qu'il y a peut-être un ou deux persos qui sont ajoutables au roster, mais j'ai un gros doute là-dessus. Ah, peut-être pas dans la version arcade, peut-être sur la version console. Mais j'ai un doute, tiens, ça me prend soudain un doute Maasai. Ça te prend comme une envie de chier. Tout à fait. Une envie pressante, j'ai envie de dire. Oui, bon, ben voilà quoi. Voilà. Donc oui, non, c'est une possibilité. Voilà, donc bah merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui auront peut-être voulu revoir ce jeu ou découvrir ce jeu. N'hésitez pas à y jouer, même à faire des petites parties, jouer contre l'ordi, jouer contre des potes. Voilà, ouais, c'est sympa de faire sympa. Quand vous jouez entre potes. Vous faites une room, vous attaquez chacun votre tour, voilà, des idées. Non, voilà, je donne des idées comme ça parce que personne n'y pense, mais genre les tournois, vous faites des invites à 4 dans la même room sur Home Station. Voilà, on leur fait un peu de pub en passant. Hein. Vu que c'est grâce à eux qu'on peut jouer en cop quand même. Et grâce à ça, genre le mec il décide des tours, tac, tu fais une rattaque.
Oui, voilà. Et chacun son tour. Comme le gagnant reste à chaque fois, bim, c'est bien. C'est sympa. Ouais. Ça rappelle les soirées d'antan. Voilà, une petite soirée tranquille. Par contre, il faut un minimum de co, quoi. Mm. Donc ça avantage pas toujours le même. Tant qu'à faire. Donc, bah voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vidéoter, vous abonner. Voilà. Merci à toi, Butters. Merci encore une fois pour ce Let's Cop. Hein. Ouais, c'était sympa. Ah oui, trop sympa. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de nostalgie, hein, ces jeux-là, de toute façon. Ceux qu'on connaît vraiment plus. Donc, voilà. Allez, on vous laisse ici, on vous abandonne. Ça sert à rien de rester plus longtemps. On va laisser Butters se jouer. On le laisse là dans le coin. Vous inquiétez pas, j'éteins les lumières. Il sait où est la sortie. Il n'y a pas de souci. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ah, ciao les amis.